La tente, ou plutôt la tchoum, a été dressée au milieu des blocs d'immeubles de Doudinka. Le centre culturel de la ville a proposé à l'équipage de Tara quelques heures d'immersion dans le monde d'Olgan. Les Dolgan, ce sont les autochtones du grand nord sibérien, des nomades à l'origine. Mais aujourd'hui, ils sont moins de 250 à vivre avec leur reine au milieu de la toundra, comme Vassili enfant. On avait une tente appelée tchoum qu'on dressait tous les jours, une fois par jour. Et après, il fallait la ranger. Le plus important pour moi, et j'en remercie mes parents, ma famille, c'est d'avoir grandi dans la toundra, entouré de rennes et de la nature. Je me souviens qu'enfant, on a vécu plein d'aventures. C'était parfois dur, mais quand les hélicoptères venaient pour chercher les enfants, pour que nous allions à l'école, on courait. On se cachait pour ne pas aller à l'école. Mais Vassili a fini par aller à l'école, à l'internat même. Il y a appris le russe. Pour autant, il n'a pas oublié sa culture d'Olgan et tente aujourd'hui de la promouvoir. Joanie, raconte-moi un peu ce qui se passe là. Alors, on a fait une danse traditionnelle, je ne sais pas qu'est-ce qu'on a dit, mais c'est vraiment formidable. Un partage culturel énorme. Partager, c'est aussi donner. Alors, nous avons nous aussi dévoilé un peu de notre culture. Sur un cotal, la nuit tombée, on chante encore sur les violons. Au bistrot sur l'accordéon, c'est pas la bière qui fait pleurer, et l'accordéon vieux jour, en vol vieillère du matelot, fous des embruns au fond des yeux, et que ça te reprend chaque fois qu'il pleut. Allez, après.